C'est ceux qui vous attendent, tu sais. Y a-tu des bars de danseuses qui valent la peine là-bas? Ah, dans mon temps, il y en avait, mais là, ça devient de moins en moins populaire. Tu sais ce qui me déçoit, moi, des bars de danseuses en région? Quoi? C'est ça, des filles de Montréal. Tu penses c'est que... C'est le seul moyen de les amener en Gaspésie. J'étais allé à Chibougamau, puis je me suis dit... J'espère voir une vraie danseuse de Chibougamau, là, tu sais, là, genre une autochtone que tu vois ses cicatrices de césarienne, tu sais, toutes décollissées. Mais ça, au Lac-Saint-Jean, t'en verrais. Il y a plus de filles que de gars là-bas. Les, ben, ouais, mais... À Jonquière? Ouais, mais, non, mais un instant, c'est parce que les... Anne-Mou? Les filles et les, ou les femmes de Saguenay-Lac-Saint-Jean sont tellement fières. Il y a des très, très, très belles femmes dans ces coins-là. Ils prennent vraiment soin d'eux autres, puis tout ça. En fait, dans l'Est du Québec, en général, les gens prennent plus soin d'eux autres. Mais il y a une fierté chez les femmes en particulier, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un caractère vraiment de cul, là. Mais ils sont vraiment, ils sont vraiment belles. T'sais, tu vas là un mardi soir dans un resto, il va y avoir une table avec quatre femmes super checkées, là. Je pense pas que. Je pense que honnêtement, si tu veux des belles danseuses, Saguenay-Lac-Saint-Jean serait peut-être une de mes destinations. Okay. Mais à Chibougamau, j'étais très, très, très déçu. Ouais. Ah. Toutes des filles de Montréal, tu sais, ah, c'est poche, tu sais. Jeune en plus, tu sais. Non, moi, je vais avoir une de 50-52 ans, tu sais, qui connaît le métier, qui est toute décollée, avec plein de cicatrices. Mais ben moi, je te. Puis il y a un tonton qui regarde en haut, l'autre en bas. Aussi, Bon, ben là. Je suis sûr que t'aimerais ça une belle petite blonde là, qui prendrait sur son bateau pas. De pêche. M'intéresse pas, moi, les jeunes, tout. Ah, non. Moi, je veux avoir un corps qui a une histoire à raconter. OK, ben. Moi, là, tu sais. S'il y avait une coupe d'adresse. Non, mais moi, parce j'aime que depuis les. Depuis que j'ai lâché la pêche, là, je me suis fait offrir des jobs de pêcheur pour aider d'autres, entre autres. Ouais. J'ai pêché pour une petite fille de 25 ans. Puis une belle petite blonde. Pour moi, elle aurait fait ton affaire. Ah, non. M'intéresse pas, moi, des petites quelque chose. Maintenant, les femmes sont rendues pêcheurs, ils font tout. Ils ont l'histoire à raconter. Je ne sortirai jamais qu'une pêcheuse, par exemple. Pourquoi? Pourquoi? J'aime pas ça, une fille qui sent le poisson. Oh, hey, elle peut se laver, il y a du parfum qui existe, il y a du bon parfum. Ouais, en tout cas, c'est... Non, ça sent pas le poisson. Ouais, il y a ça, par exemple. J'ai peut-être un préjugé envers les poissons, là. Mais... Un bon filet de morue frais, là. Non, moi, avec c'est quelqu'un, ça. Tu peux la partager ou quelqu'un. Ben oui. Moi, je suis pas super attiré vers les filles comme super, tu sais, comme... Ultra shapé, là, pis tout, avec la calotte Juicy Couture, pis la part de même, là. Même une femme qui a du vécu, là. C'est une femme mature, là, genre 31 ans. Là. C'est une femme mature. Là. Qui a du vécu. Ouais. Sauf qu'il y a une trappe, par exemple, c'est quand 30 et 40, s'ils n'ont pas eu d'enfants, c'est comme ouais, là, c'est le problème. Elle va vouloir. Ouais, ben, parce que là, c'est comme oups. La dernière chance. Oups, je comprends pas comment ça fait que ton condom a pété, puis parce qu'elle a mis une aiguille dedans, ou elle a oublié sa pelule ce jour-là, puis là, c'est comme t'es le père, puis là, c'est comme donne-moi du cash, là. Ouais. En parlant de cash, on va aller voir, mesdames et messieurs. Peut-être qu'on jase de même, on a peut-être atteint notre objectif, puis il faut sortir le champagne qu'on n'a pas. On est rendu à 2440 encore. OK, il nous manque encore 60 $. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. On est pas assez intéressant. Il faudrait que tu... je sais pas, là. T'en as combien de personnes qui ont donné en tout? As-tu la quantité de personnes? Oui, absolument. Il y a 91 donateurs. 91 donateurs pour ramasser cet argent-là. Donc, mais ce soir, il y a eu particulièrement des gros montants. Donc, c'est vraiment Je pense que je remercie la population du Québec ou d'ailleurs, peut-être d'ailleurs aussi. T'en as-tu qui viennent d'autres provinces, par exemple? D'autres provinces, je pense pas, mais je pense que j'ai une donatrice de France. Okay. Parce qu'eux autres, ils ont le même problème que nous, mais 10 ans de plus. Là. Donc, si tu veux savoir, ça va l'air de quoi le Québec dans 10 ans, si on fait rien, ben, regarde la France. Regarde la Suède. Regarde la Suède, la c'est une autre affaire, ça. La Suède, c'est différent. Dans le sens où, en France, tu as quand même des mouvements patriotes que tu n'as pas en Suède. Ouais. La Suède, c'était vraiment...